Salut, c'est Boisdin et... Oh mon dieu, j'ai plus un poil sur le caillou. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors je vais dessiner la proposition de Charles Gnet qui me propose Richard le chien sur un overboard. Allons-y, nom de Zeus. Allons-y, Alonso, donc Richard le chien. La base de Richard le chien, c'est deux ronds, un pour le museau et un pour le crâne. Si vous ne connaissez pas Richard le chien, pour les trois du fond, il vient de l'émission What the Cut de Monsieur Antoine Daniel, bien entendu. C'est une peluche qui lui manque un œil d'ailleurs, et l'autre œil part un petit peu en cacahuète. Alors j'aime bien ce procédé d'utiliser une peluche, hein. Antoine Daniel n'est pas le premier à le faire, les guignols par exemple le font très bien. Car sous couvert d'une marionnette ou d'une peluche, on peut dire n'importe quoi. Parce que Richard est assez pervers. Et ça j'aime bien. Alors la casquette de Marty McFly, forcément celle du futur, hein, celle qui reluit de mille feux de plein de couleurs. J'adore Retour le futur, donc je suis content de faire cette proposition. Donc oui, par exemple, le joueur du grenier, il n'y a pas longtemps, qui a fait une blague sur le viol dans sa vidéo sur Indiana Jones, Young Indiana Jones, et ben ça n'est pas passé, curieusement. Alors là, on fait ses pieds, hein, je le fais en contre-plongée. Voilà, je le fais en contre-plongée sur le ventre. Avec son bras là, ouhou, parce qu'il avance, parce qu'il s'amuse, j'ai plus beaucoup de temps. Et il va dire un truc, je vais essayer de le faire dire un truc. Donc là, on fait l'overboard en petit, voilà. L'overboard, donc c'est de Mattel. Il y a des lignes comme ça. Bon, là, il est censé être écrit overboard. On n'a pas le temps. Là, il y a un machin pour poser son pied. Mais Richard, il a un pied trop petit. Malheureusement, voilà. Je fais encore quelques petits détails. Donc, voilà. Le joueur du grenier s'est fait bâcher pour avoir fait une blague sur le viol. Alors que Richard, qui fait des blagues pédophiles et tout, eh ben, il n'a rien du tout. Voilà. C'est ça le principe de prendre un avatar, une peluche, pour dire n'importe quoi. Allez, c'est fini. Et il dit banane. En 2 minutes, Richard. J'espère que ce Richard vous plaît. Moi, je le trouve bof. Mais bon, c'est le principe de dessiner en 2 minutes. Hein. 2 minutes, c'est 2 minutes. Continuez de mettre des propositions loufoques en commentaire. Et chose que je n'ai jamais faite, écoutez bien, je vais faire gagner ce Richard à quelqu'un. Il suffit de mettre un commentaire pour participer. Donc, quand vous mettez une proposition, eh bien, ça compte. Et je sélectionnerai dans le prochain. Le gagnant, et après on se contactera pour l'adresse, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et si ça vous plaît, bah, je ferai ça peut-être à chaque fois. Et oui, je lui ai mis un peu de couleur pour vous donner envie. Et oui, et je vous dis au revoir.